Salut à tous amis gamers, mon nom est Chowy et bienvenue au Chowy's Gaming Show en compagnie de Derain. Bonsoir à tous. Et ce soir, nous faisons un petit hasard de la bot lane. Ça Et oui. fait un petit moment, et donc bah, ça fait du bien de reprendre un peu les classiques, j'ai envie de dire. Ouais, c'est exactement ça. Voilà, donc pour ces hasards de la botlane, on commence avec du lourd là quand même. Hein. La reprise de janvier, elle envoie du pâté. Donc moi ça va, je me retrouve avec Kog'Maw. Bon, je suis pas un grand joueur de Kog'Maw, mais je me démerde. Par contre, en support, je vais avoir Mordekaiser. Exactement. Alors ça risque d'être un peu plus complexe. On va se retrouver surtout contre Leona Miss Fortune. Ça va être très très complexe. Dans notre team, nous avons le blanc qui sera contre Diana, je suppose, au mid. Nunu qui donc va devoir aller top et sera contre Nidalee et Ekarim à la jungle et Maître Yi à la jungle adverse. Ah, pas un Maître Yi AP. Ça m'arrange vu que je déteste les Maîtres Yi AP. C'est de la merde. Maître Yi AP, je le hais. Ce sera pas un IAP en l'occurrence. Voilà. Et tant mieux! Parce que non, mais il faut, faut... IAP c'est très fort, mais en teamfight c'est juste absolument insupportable. Ça, c'est je saute, je saute, je saute, vous êtes tous morts. Au revoir. Pour l'avoir joué aujourd'hui, ouais, je peux confirmer. Ouais, t'as joué IAP aujourd'hui. Bon. Ouais, écoute, avec Greenaxe, on a décidé de faire une petite partie où on envoyait du lourd. Donc j'ai joué lui IAP, et lui a joué Teemo au top, dans la même partie. Voilà, le genre de truc que j'aurais détesté, contre lequel j'aurais détesté tomber. On s'en est bien sorti, contre toute attente. C'est bien parce que ces deux per... Enfin, moi je joue beaucoup, je joue IAP. Moi je jouais IAP quand c'était pas encore à la page. Je jouais déjà. Enfin, moi j'ai toujours joué tout un peu Ouais, AP, un peu n'importe comment. t'es un peu hipster, toi, Mais moi je suis underground, tu vois. quand même. J'ai joué. Moi je jouais Kog'Maw AP à l'époque, tu vois. I played YAP before it was cool. Et, exactement. Moi je joue encore Ezreal AP. Vous verrez. Vous verrez. Non, c'est vrai, non, en plus il est bien, toi, Ezreal AP. Et moi, je le trouve très fort, hein, Ezreal. Il Un pêche un tout jour. petit peu en comparé à Ezreal AD en late game, c'est évident. Mais pour tout ce qui est early et mid game, c'est juste absolument imbouffable. Hein. C'est un burst tellement monstrueux en C'est 1v1 vrai. que. Mais bon. Que veux-tu que je te dise? Bah, il y a des choses comme ça. Tu te fais pas mal flame hein, quand tu prends Ezreal AP, ouais. Ezreal AP au mid. Bah, Généralement, je me fais souvent les gens flake, aiment moi. pas trop. Mais bon, c'est en n'écoutant pas les rageux qu'on finit par s'améliorer. Alors, je sais pas du tout comment le build ce Kog'Maw, je me souviens Pas du tout jamais. mon build, Mordekaiser, support non plus, si ça peut te rassurer. On n'est pas aidé, hein. Been a bad boy. Oh oh. Et d'ailleurs, c'était Iaz. Je ne sais pas parler anglais. Franchement, les gens, ils vont se poser des questions hein, s'ils ont écouté le dernier. 30 secondes avant l'apparition de Dieu. Le dernier hasard de la botlane où on a fait notre promesse de 1000 abonnés. Plus les commentaires que t'as fait à la partie d'avant là en classé et là ce que tu dis là, ils vont Quoi? avoir des doutes quand même. Hein. Mais non, mais Merde! alors, dis donc. Aïe aïe aïe. Ne dites pas de bêtises. Wow, wow, wow! Ma souris! Ma souris! Y a des problèmes d'infrarouge. Oui! Au secours! Non, attends, c'est horrible. Je peux pas. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font top là? Ok, ils s'éclatent. Sinon, ouais, non, il y avait quelque chose. Bah, du coup, je vais en profiter de cette vidéo parce qu'il y avait quelque chose à propos des hasards de la botlane dont je voulais te parler, mais où peut-être bah, ceux qui nous regardent régulièrement veulent peut-être donner leur avis là-dessus. Donc, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur ce que je vais dire tout de suite. C'est changer un petit peu la formule des hasards de la botlane Ah qui viendrait en fait des hasards tout court. ah. C'est-à-dire que. Bon, alors c'est vrai que c'est rigolo en fait le fait qu'on soit tous les deux dans la botlane. C'est ça le gros avantage de faire des hasards de la botlane parce que du coup on se retrouve à deux sur la même lane et c'est plus marrant. Faut dire ce qui est.
Oui, c'est clair. Et en plus, ça permet d'avoir d'essayer de trouver des synergies entre les persos. Ceci dit, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est choisir des persos au hasard et aviser les lanes en fonction de ce que les autres prennent, etc., etc. Ça peut être aussi un exercice intéressant à faire. Pour une vidéo, une série, ça pourrait s'intégrer peut-être dans des épisodes... voilà, de temps en temps, des hasards de la botlane, des épisodes spéciaux, qui sont comme ça, ou faire une série à part, etc., etc. Je pensais à un principe plus comme ça. On choisit nos persos au hasard, on doit aller essayer de compléter une lane là où personne veut aller, ou un rôle où personne veut aller. Par exemple, si personne veut prendre support et qu'on a... avec le perso qu'on a choisi, on va essayer de trouver comment jouer support. Qu'en penses-tu? Et vous aussi, qui nous regardez, qu'en pensez-vous? Est-ce que ça vous intéresserait de voir des choses comme ça? C'est ça qui est très important. Mais qu'est-ce que c'est que cette ward? C'est ma souris! Dites donc, Darren, qu'est-ce que c'est que cette ward? C'est quoi cette bouteille de lait? Je suis désolé, je suis vraiment désolé, c'est ma souris. Un allié a été tué. Ta souris place des wards toute seule maintenant? Mais non, mais je voulais la placer ça... et puis ça s'est pas fait comme je voulais. Ça a rien à voir avec des problèmes d'infrarouge, ça. Tu mens! C'est évident! Au final, on est quand même en train de leur mettre la misère. On l'a pâté. Bon, tu pushes un peu quand même, c'est un peu chiant, mais... Ah, arrête de te plaindre, toi, dis donc, on t'accope mon quoi. On leur met la race. Et puis assez violemment. J'ai envie de dire... Non, mais en fait, elle est trop bien placée, cette ward. Écoute, si quelqu'un vient derrière nous, on pourra le voir. Flash offensif? Non. Non. T'as eu raison. Non plus. T'as eu raison. Par contre, tu t'es fait pourrir par Léona et ouais, t'as attaqué derrière la Miss Fortune. J'ai été un peu sous-réactif sur cette truc. Bon, très bien. Est-ce que c'est grave De quoi? D'être sous-réactif. Écoute, je m'en contre-casse les couilles. Tu t'en contre-casses les couilles. Alors, ouais. Bon, faut être franc. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Ça. Je voulais dire, je m'en bats les steaks ou. Essayons de rester poli, voilà. Je voulais dire un mauvais truc, mais qui commence par bas. Et au final, j'ai dit casse. Oui, mais donc du coup, en fait, au final, le mot vulgaire, tu l'as gardé. Ouais. Mais y a Yi là-bas. Il y a Yi derrière nous, en fait. Ouais, Yi. Mais écoute, quand je te parle, il y a Yi. Ouais, il y a Yi derrière. Pour la peine, je vais les farmer. Tiens, hop. Ha! Tu n'auras pas celui-là. Extraordinaire. Yi derrière encore. Qu'est-ce qui casse les couilles? Oh, le slow! Oh! 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 Blu, blu. Attention! Hop! Oh ouais, je fais n'importe quoi. Tu te fais trop ouvrir, hein, c'est un truc de ouf. De quoi? Tu te fais casser en deux, hein. Bah ouais, bah oui. Mort de Kaiser, jamais joué mort de Kaiser de ma vie. Mais en quoi? Je suis même pas sûr que ce soit vraiment... Ceci explique cela. Ouais, non. Ceci dit, alors, pour les gens qui nous regardent, oui, c'est vrai, vous avez l'impression que j'ai beaucoup de skins. Même sur des persos que je n'ai jamais joué de ma vie. T'es quand même pété de thunes, écoute, hein, moi j'ai envie de dire, hein. Mais non, c'est même pas ça, c'est même... Alors il faut savoir. Mais c'est bon, c'est tout. Non, tu veux que j'explique aux gens ou pas? Ou tu veux qu'ils croient que je suis riche? Mais ils vont... Tu vas encore raconter ta vie pendant 10 minutes. Allez. Mais c'est comme ta souris, quoi. Non. Vas-y, raconte ton histoire. Non, Père Castor. S'en moque. Raconte-nous une histoire. Non, t'as raison, tout le monde s'en moque. Ma vie est nulle. Mais non, allez, fais pas... Fais pas ton mec là comme ça. Ouais, tu vas encore crever toi. Oh, c'était ce duke absolument sublime de la lance de Léona. Anticipé à des kilomètres. Ouais, bien sûr, ouais. Ouais, bah oui. Anticipé mon cul. Bon, t'arrêtes de farm là. Fais gaffe, hein, y'a Léona là.
Ouais, je suis dans la merde. Il nous ouvre. Bon, écoute, non, moi je me. OM. Je me casse. Tu où, moi, mec? Je me casse, j'en ai marre. Je vais aller chercher des Dorans parce que voilà. Bon, cette partie, elle est mal barrée. Ah, je viens de tester quelque chose. Savez-vous que les potions se combinent avec le biscuit? Voilà. Ouh, et tiens, chose à tester. Combiner potion, biscuit et la bottle. Challenge accepted, my friend. Challenge accepted. Dans une autre partie, parce que du coup, t'as plus de biscuit. T'as un Mordekaiser avec un biscuit, connerie. Pro flash. Écoutez, j'ai fait une game absolument sublime sur juste avant. Je me permets le droit de jouer comme une sous-quiche sur celle-là. Ah non, mais sous-quiche, c'est... Un problème, monsieur? C'est genre... c'est pire que sous-quiche, là, c'est... C'est le bouseux du siècle. C'est le quoi? Tu joues comme le bouseux du siècle. Ah, le bouseux du siècle. J'ai compris, le boult du siècle. Non, ah non. Un boult, ça veut rien dire, un boult. Enfin, je veux dire, je parle quand même plutôt pas trop mal le français. Ça va. J'arrive plutôt à trouver les mots qu'il faut pour dire ce que j'ai envie de dire. Tu me dirais les mots bleus? Les mots qu'on dit avec les yeux? Ouais. Effectivement, ceux-là même. Arrête, les gens vont croire des choses après. Hein. Non, c'est toi qui dis ça. Bah bien sûr. Si tu pouvais arrêter de farmer, vraiment, mais... Genre quoi? Genre, est-ce que t'es à des caries, c'est ça? Putain, la game est importante, qui hein farme. C'est ça? Mais oui. On joue là pour de l'ielo normal. Attention, je veux dire, ça. Attention, ça, l'ielo normal, hein, les gens. C'est pas non plus... Oh, plus de mana! Ah, j'ai plus de mana! Moi non plus, bon, je suis pas même! Avec ta blague de merde. Bon, on s'en est sorti. Un poil de curry près. Un poil de curry? Je ne savais pas que. Le curry a des poils, mais évidemment! T'es prêt ou pas? Non. Non, tu vas pas tower dive là. C'est en fait, même on va se barrer. Parce que ça sent mauvais. Ça, ouais, voilà, tu vois. Eh ah, regarde-moi un peu cette lecture du jeu. Ouais, t'es mort. Moi aussi, je lis le jeu, hein. Mais ouais. Enfin, t'as vu, regarde, j'ai lu en avance que t'allais mourir. Hein. Enfin, c'est facile, en même temps. Tu m'as déjà vu jouer Mordekaiser, peut-être. Non, c'est vrai. Hein? Tu vois, tu sais pas, peut-être je vais sortir la play du moment. Cela n'est pas une excuse. D'accord. Enfin, pardon. Non mais enfin, je veux dire, ça va quoi. Y'en a marre d'avoir des excuses à la con. En fait. Dis donc, c'est toi l'excuse. Ouais, trop pas. Mmh. Est-ce que vous pensez que je suis une excuse? Franchement. Laissez dans les commentaires si vous pensez que j'ai une excuse. Le mec est une excuse. T'as trop la tronche d'une excuse, quoi. Foiré. Ah, mais je sais pourquoi ça fonctionne pas. Parce que tu cliques non, pas. Non, j'avais mes doigts sur QSD. Ah oui, non, bah oui. C'est sûr que tout de suite, ça ne peut pas marcher. Bah, ça marche moins bien. Oups. Donc du coup, tu m'as pas vraiment. Que moi. Ouais, c'est possible. Le Nunu a quoi? Alors voyons voir au concours du feed 041 Nunu et à 040 Mordekaiser. Désolé, tu perds au concours de feed. Nunu s'en sort mieux que toi. Je vais
oui, c'est ça. Par contre, c'était un peu naze d'utiliser ça. J'aurais mieux fait d'utiliser ma barrière. C'est toi la barrière. Trop up, mais trop up, quoi. Je back. Ok. Pour une pioche de cagda. Non, pas pioche de cagda. Pourquoi je dis une pioche de cagda? Je sais pas. Si, parce que le serveur sur lequel je joue s'appelle Cagdar. Peut-être as-tu un Cagdar dans ton entourage? Oui, Cagdar, bah oui, Cagdar évidemment. Cagdar, c'est un grand c'est sorcier. C'est peut-être ton cousin. Ton cousin non, c'est Cagdar. Un grand sorcier, Cagdar. C'est un grand sorcier, Cagdar. Un grand sorcier du Kalimdor, évidemment. Mm-hmm. Hop là! Tu joues trop à WoW, je crois. Ah oui, alors, j'ai quelque chose à vous annoncer. Deraine est un faible. Deraine a repris WoW. C'est pas vrai! Si c'est vrai! Si! Mais c'est pas si c'est trop vrai! Faible. Si t'es faible! C'est toi le faible! Non. Bon, ok. C'est vrai, c'est vraiment un acte de faible de jouer à WoW. Pour tous ceux qui regardaient la vidéo, vous faites nous part de vos commentaires. Est-ce que c'est faible chez vous? Oups! Oups! Ce que je mange. Aïe, non, grognasse. Alors toi, meurs. J'ai même pas l'assist. Il n'y a même pas d'assist sur aucun des deux, c'est n'importe quoi. J'ai l'assist sur aucun des deux non plus. Si t'as eu l'assist sur Miss Fortune. Crois-tu? J'en ai marre, le jeu est pourri. Ça pue, nul, naze. Il me faut du vol de vie, il me faut carrément du vol de vie. Donc on va faire un sceptre vampirique. Et on va compléter les boîtes 2 et on va partir là-dessus. Bon, je pense que cette partie, mes amis... Au final, c'est pas nous qui filons plus, hein. Non, écoute, moi 7-0-2. Alors, je suis à 0-1-0, donc j'estime ne pas avoir filé. Bon, j'ai aucun kill non plus. Je suis navré, je regardais pas, je regardais autre chose. Oui, on a vu ça, vu que t'es mort. Comme un vieux clampin. Hop. Du coup, tu m'as pas répondu sur ce que tu pensais du changement Alors, sur le format. Alors, je pense que c'est une bonne idée. C'est un peu tricky dans le sens où si on décide de se lancer dans ce genre de truc, ça veut dire qu'il faut prendre en compte qu'on risque de jouer des postes qui ne sont pas forcément. Tu vas mourir. Ouais, donc on va jouer à des postes auxquels on n'a pas forcément l'habitude, c'est ça? C'est ça. Ouais, je suis tout à fait d'accord, mais du coup, ça te permettra... En fait, c'est surtout que... c'est sympa aussi de voir un peu d'autres postes. Ça peut être sympa... vu qu'aussi, quand on joue en classé, on joue beaucoup à la bottom lane. Et qu'il se passe quand même beaucoup de choses à la bottom lane, et il y a plus que la bottom lane dans League of Legends. Ah bon? Montrer on m'avait pas dit Essayer des choses dans la jungle, essayer des choses top ou mid, ça peut être des choses qui sont intéressantes. Mais bon, de toute façon, généralement, les premières choses qui sont cool, c'est top, mid et... et jungle, donc... Et l'autre, elle a eu vraiment une chatte interstellaire, ça m'énerve des gens comme ça. Une chatte interstellaire. C'est très imagé, hein, je trouve, faut le savoir. Tu peux pas tester. Une chatte interstellaire. Donc ouais, je pense que voilà, ça peut être bien de montrer un peu d'autres choses. Et donc comme je disais, voilà, ce qui est souvent cool direct, de toute façon, c'est voilà, top, jungle, mid, c'est les choses qui sont cool le plus souvent, le plus rapidement. Donc c'est de toute façon ce qu'on ira le moins souvent faire. Hein, donc, quand on
donc on se retrouvera sûrement assez souvent quand même à la bottom lane ou en support ou des choses comme ça. Écoute, moi dans le principe non, j'ai rien. Mais voilà, mais bon, je pense qu'il faut laisser les gens qui regardent choisir, parce que moi de toute façon ça me dérange pas d'aller à la bottom, je m'éclate bien, quand on fait des trucs ensemble c'est assez rigolo, et mais au final bah, c'est les gens qui regardent, hein. Que ça intéresse vous pas. Êtes ceux qui décidez. Oh là là, ça sent absolument très mauvais pour vous. Vas-y, je j'arrasse. What do... Vas-y. Hein? De quoi? Vas-y. Alors quoi? Alors là, la Léona... Je comprends pas comment elle est apparue ici. We don't have carry. Sérieusement. Votre tourelle a été détruite. J'étais en train de me dire qu'il fallait que je prenne un saphir cristal. Donc non. Il faut m'arrêter dans ce genre de cas. Allez, on y va, faut quand même qu'on tue des gens là, et j'aimerais bien quand même avoir un kill. Alors toi... Tiens! Pas de carry, c'est ça? Hein? Oh mais j'étais pas là, dis donc. J'ai même pas réussi à creeper là-haut. M'en fous, j'en ai eu un. Yes, seriously, my play only bot. Ça veut rien dire, Nunu. Bon, ouais. Ça m'a l'air quand même un peu compliqué, mais on a fait. Bon, peut-être pas pire. Si, on a déjà fait pire. Si, on a fait pire. Donc, par contre, là, le comeback va être quand même assez complexe. Non! Never. We shall not surrender. Aïe! Est-ce que. Ouais. Petite question d'ailleurs, vous qui regardez les vidéos de la botlane. Question, est-ce que si vous vous retrouvez dans une équipe avec des gens comme nous, comment réagiriez-vous? Oui. Ah, parce que nous, on se rend jamais, c'est quelque chose de... Voilà. Bon, après, il faut savoir, on est en partie normale. Hein, on n'est pas en classé, etc., etc. Mais voilà, est-ce que si on joue en normal, vous tombez avec des gens comme nous, quelle serait votre réaction? Je serais curieux de savoir. Non mais sérieusement? Elle, Léona, elle est invincible. Ouais, elle me tue depuis tout à l'heure. C'est pas sérieux, 7-1-7 Léona. Eh oui, c'est les choses qui arrivent. Et pendant ce temps, que fait le Yi? Aïe. Pas de victoire royalement. Ah, c'est Maître Yi quoi. Je veux dire, c'est pas comme si sa team avait besoin de lui, hein. Maître Yi. De l'idée de nous backdoor. Putain, avec 14-08 la Nidalee, non mais sérieusement. Vas-y, on le bouffe. Non, il a peur de moi. On le bouffe. Vas-y, alors on bouffe Miss Fortune. On bouffe mes Fortune. Moi aussi. Vas-y, elle a poussé la tourelle là. Vas-y, viens là, grognasse.
Aide-moi! On l'a bouffé, on l'a bouffé. Non, nous ne nous rendrons pas. Hop là. Jamais de la vie. Alors, où en est-on? Soif de sang. Oh, soif de sang. Mais bon, mine de rien, et voilà, on était à 7.33, nous sommes à 9.36. Ok. Ouais. Bah. Ah ouais, non, s'ils ont pris 3 kills, alors que nous on en a pris 2. Elle. Wouh! Non, mais regardez, voilà, ils commencent à faire les malins. Ils se disent, ouais, tout ça. On va gagner. Tiens! Je t'ai mis 145 points de dégâts. Ça t'embouche un coin. Ils font pas tant de dégâts que ça en fait, hein. Ah, par contre, moi, Léona, elle m'ouvre en deux. Attends, mais. Toi, t'es un pécor aussi. Tout le monde t'ouvre en deux. Je veux dire, t'as moins de points de vie que moi. J'ai pas le même niveau. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, bon, voilà. Non, non, en l'occurrence, j'ai le même niveau que toi. Aïe. Non, c'est vrai que je fais royalement un peu n'importe quoi. Ah, mais c'est un truc de ouf, avec quel con tu fais n'importe quoi. J'ai tué quelqu'un. T'as... Non, impossible. Wow! Wow! Mamie! Non, je me rendrai pas! Ah, mais la Diana, mais ce qu'elle a mis! Non, mais ils ont mérité leur victoire, surtout aussi, enfin je veux dire. Il y a un minimum de reconnaissance pour les ennemis aussi. Ils ont mérité de. Voilà, ils nous ont baisés, ils nous ont baisés! Là aussi, ils ont voulu jouer au con! Non mais voilà, doublé. Mais c'est qui le carry là? C'est qui? Voilà, doublé pour finir. On montre qui c'est les patrons. Bim, bim. Là, là, moi j'ai gagné ma partie, moi. Lamentable. Bon. C'était lamentable. Bon, bah ce soir on a eu une victoire écroisante. En classé. Une défaite cuisante en partie normale. Bon, ce sont des choses qui arrivent, j'ai envie de dire, c'est comme ça. En tout cas, nous espérons que cette vidéo vous a plu, comme d'habitude. Et puis, à bientôt pour la prochaine. Espérons une partie un petit peu plus... avec un peu plus de réussite. Ciao, ciao. Bonne soirée.